What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un gameplay, je vais jouer en live, voilà, un petit peu comme d'habitude, un petit peu comme j'ai fait avec le Chardon et le Finisterrae. Cette fois-ci les gars, je vais conserver un snipe, mais je vais prendre le brise-glace. Alors j'ai choisi ce sniper tout simplement parce qu'il revient dès mardi en version 1 et 3, et du coup on va regarder un petit peu ce qu'il vaut en PVP. Alors faut savoir que je crois que j'ai jamais joué avec le brise-glace en PVP, ou alors peut-être en année 1, mais je m'en souviens vraiment pas. En tout cas, il m'a vraiment pas marqué du coup. Et voilà, donc j'ai voulu faire de la faille au début, je voulais faire de la bannière de fer. Du coup, j'ai lancé une partie juste avant, les gars. Et vous voyez, je suis 372 de lumière. Je tombais contre des 400 lumières, bien évidemment. Et je faisais rien en fait. Même une balle de sniper, ça enlevait même pas dans le corps. Ça enlevait même pas tout le bouclier du mec. Donc, du coup, je me suis dit, ça sert à rien. J'ai lancé de la domination parce que voilà, du coup, j'aime bien ce mode de jeu. Puis je vais rester dans ce mode de jeu là. Je vais jouer en épiste également. Et puis juste avec Gante Shinobu, et du coup je vais jouer au palindrome en arme principale. J'aime beaucoup cette arme avec les... En plus je l'ai bien looté, un bon roll avec balle chanceuse, canon rayé et hors la loi. Voilà, il fait vraiment très mal, du coup on va jouer comme ça les gars, avec le brise-glace. Alors j'ai fait un petit test du coup juste avant, comme je vous l'ai dit, en bannière de fer. Faut savoir qu'en fait ce sniper là, donc vous n'avez pas de munitions bien évidemment au début de la partie. Vous n'avez pas besoin de ramasser des caisses vertes, ça ne recharge pas l'arme, donc ça sert à rien de ramasser des caisses vertes. Et du coup quand vous mourrez, ça vide totalement le chargeur. Du coup il faut attendre que le chargeur se recharge évidemment pour pouvoir recharger, recharger l'arme. Voilà, donc c'est la petite difficulté au niveau de cette arme. Après on va voir, j'ai pas encore essayé de faire des frags avec ni rien, j'ai vraiment juste essayé le rechargement. Du coup c'est parti, on a trouvé une partie les gars, impeccable, on est 12. Hop, il n'y a pas d'escouade, si, non, il n'y a pas d'escouade, ouais, ils sont deux, donc c'est pas bien méchant. On va voir un petit peu ce que ça peut donner. C'est parti. Il y a un mec dans la partie, dans l'accueil, les gars, là, il m'a dit, mets ses éclairs sur ton sniper, il y a un instantané qui est directement dedans. Du coup, je l'écoute, je mets ses éclairs, merci à toi, d'ailleurs. Il s'appelle, il m'a écrit, j'ai un message sur mon téléphone, il s'appelle Dealer, je crois, Dealer, un truc comme ça. Merci à toi, du coup, on va essayer. Alors, on est tombé sur une map pas trop mal. Pour la victoire. Et il est avec moi, il est là. Eh hey, merci bro. Capturer la zone. Ok, j'ai préféré prendre le point B direct les gars. Zone A sécurisée. Ok bro, premier frag. On va aller sur A, on va lancer la grenade bien évidemment. Zone C sécurisée. L'ennemi a capturé la zone A. Je tente des trucs improbables, moi, mon gars. Faut tenter. Pour s'améliorer, faut essayer aussi. Oh, allez. J'ai eu de la chance de l'avoir. J'ai pas vous mentir, celui-là, les gars, j'ai eu de la chance. Autant des fois, c'est le talent. Non, je rigole. Le mec, il s'enflamme. Eh, hey, oh, meurs. Bro, meurs. C'est sérieux? Oh, puis il a ton pompe en dessous. J'ai pas y aller, j'ai pas... Dame. Oh là par contre c'était le talent les gars, je vous le dis, le talent a parlé les gars. Et je rigole, je m'enflamme trop, je vais faire de la merde après, vous allez voir. C'est sûr, je me connais. Merde. Vous voyez, voilà, je me suis enflammé, j'ai fait de la merde juste après. Bon allez les gars, est-ce qu'on sort le doigt du cul qu'on va prendre B ou pas? Deux pour le prix d'un. Trois adversaires éliminés. Pas mal, j'en ai fait que 3 mais bon c'est pas mal du tout quand même. J'aime bien cette map. Cette map franchement je trouve c'est une des meilleures. J'aime beaucoup cette map. Neutralisée. Je croyais qu'il allait pas mourir. Mission lourde arrive. La cadence est plutôt sympa sur le brise-glace. Allez, on va prendre les lourdes, les mecs. Oh, j'ai eu chaud, il a respawn derrière moi, les mecs. Encore, ça respawn derrière moi.
Ah ouais, c'est abusé, ça respawn là. Voilà, première partie, franchement, pas trop mal. Bon, grâce à l'épiste, hein, je crois que j'ai fait... J'ai dû faire 8 frags en tout en épiste, si je me trompe pas. Dans la partie, donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Ouh, premier de la partie, 18 frags, c'est plutôt pas mal quand même. Bon, le loot est pas présent, le loot est pas présent. Je suis toujours à la recherche d'un matador avec télémètre. Mais bon, c'est pas grave. Première partie, plutôt pas mal, les gars. On va enchaîner avec une deuxième, peut-être une troisième partie bonus. On va voir, en tout cas, la première partie était vraiment pas trop mal. Allez les potes, on est parti pour la deuxième game tout simplement, on est sur Icar encore. Alors, il y avait les deux petits français là, j'espère qu'ils votaient avec moi. Ils étaient bons là, Dealer et Taixo, on va voir ça. Icar, franchement, cette map je l'aime beaucoup, je la trouve assez sympa. En plus au sniper, il y a la grande zone couverte sur l'extérieur, donc ça c'est plutôt pas mal. T'as pris la zone D. Zone C, sécurisée. L'ennemi a capturé la zone A. Ok, ils sont chauds en face, ils sont chauds les gars. Oh, c'est quoi ce délire, il me fait spawn kill mec. Ouais mais bah, c'est super de jouer comme ça, c'est super. Fais spawn kill. Putain ouais vas-y, on va prendre A ça va. Oh là là. Ma parole, voilà le début de partie mon pote. Ah tu rapporais, tu prends des balles. What the fuck. Les deux fois, vous avez vu, ils attendaient les deux fois au spawn. Vous avez neutralisé. Ouais, ils ont déjà les super et tout. Oh, on est tombé sur des mecs chauds. On va devoir élever son niveau de jeu. Je déconne. Oh là là, il y a que du dragon rusé. Et en face, c'est que des dragons rusés, les gars. J'ai pas vu une autre arme encore pour le moment. Ouais, c'est incroyable de jouer avec cette arme. Franchement, c'est quand qu'il y a un patch en PVP là, parce que... Commencer à me gaver avec leur putain de dragon rusé mort là. Zone C neutralisée. Zone A perdue. Allez, allez mec. Pour le prix d'un. Zone A. Il y a un épéiste. Le pire. Oh le pire, regardez-moi ça mec. Oh là là là. Putain le mec qui rush en fufu gros. On voit plus ça depuis 2015 merde. Vous avez neutralisé la zone B. Ah, viens avec moi, on prend B, viens avec moi. A capturé la zone C. Eh, mais ils sont tous en fufu, lui. Eh, lui, c'est le pro de la fufu. C'est. Ah là là. Voilà, c'est ça. Là, c'est ce genre de partie qui me donne envie de quitter le PVP, tu vois. Clairement, clairement. Il y a que du dragon rusé, mon pote. T'es en train de t'amuser avec un sniper. Il n'y a plus personne qui joue avec. Eux, ils jouent tous avec la même arme. Oh, vas-y. Eh, je prends super sur super. Voilà, là, je suis en train de ramener, ça y est. Voilà la partie, que du dragon rusé, des super deux fils de, voilà quoi, vous avez compris. Même la maloc, toutes les armes, toutes les impulsions, faut tout patcher mon pote. Oh, depuis le temps. Plus que 5 minutes. Ah mais y a que des super les mecs, je meurs que par des super. Putain, la partie qui fait péter un câble. Oh là là. Sérieux quoi. Ah le, le 6 contre 6 en PVP, ça me sort. De toute façon le PVP en ce moment il me sort pas les yeux. Tout le PVP. Pas vous mentir. Zone C, ah, moi aussi je peux lancer des grenades à travers la map là. L'ennemi a capturé. Bien joué ça. A. Oui, vous ne faites qu'un avec vos alliés. Zone C, sécurisée. Oh dommage. Dragon rusé gros, lâche ton dragon rusé. Eh s'il vous plaît les gens qui regardent cette vidéo, arrêtez de jouer au dragon rusé les mecs, il y en a trop. Je vous mens pas, même moi je joue avec, quand je vois tout le monde, là je fais une vidéo, voilà, je joue avec d'autres armes, mais quand je joue hors vidéo, je prends le dragon rusé, tout le monde joue avec, il y en a marre de cette arme. Il y en a marre. Putain, perdition parfaite, c'est pareil, c'est des armes, il y a munitions gros calibre dessus, ça faut l'enlever des fusils impulsion. Pour moi, Bungie, il devrait patcher et enlever toutes les munitions gros calibre de toutes ces armes là. Enfin bref, une partie de merde à bien oublier celle-là. Au moins vous verrez que des fois je fais des parties de merde et je rage aussi, vous voyez, mais bon, c'est le jeu qui me fait rager. C'est pas les joueurs, c'est le jeu. Enfin si, il y avait le mec qui rush en fufu par contre ça. Depuis 2015 on n'en voyait plus. 0,44 de ratio, je me suis fait rouler dessus mon pote.
Bon allez, on va changer d'accueil parce que là les mecs qui sont en face c'est pas terrible. On va faire une troisième partie comme pour essayer de se rattraper les potes, parce que là c'était vraiment la descente aux enfers. Allez les potes, on est retombé sur une partie en cours, c'est parfait. Oh là là, on se prend une piquette en plus. Oh là là, voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est clairement les parties qui... Allez. On va essayer de se chauffer un petit peu les gars. Bon, je pense pas qu'on va la gagner, c'est parti. Oh, t'es beau toi. Oh, j'ai failli mourir, putain, quel coup. Dommage, 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 ils sont tous là en fait, ils sont tous placés déjà, c'est ça qui est compliqué dans cette map quand t'arrives en cours de partie. T'es beau toi. Oh, brise-glace. On s'est entretué au brise-glace mon gars. C'est pas mal quand même, parce que quand ils annoncent une arme qui sort en fait, il y a quand même pas mal de gens, enfin pas mal. Bon, c'est pas le premier que je croise quoi, c'est pas non plus une folie mais... Ouais, c'est quand même des gens qui jouent avec hein. Bâtard. Bon, je prends que des super. C'est pareil, tu rejoins une partie en cours comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire du coup les gars? On va s'en refaire une quatrième. Je vais rester dans l'accueil, j'espère tomber que les gens vont pas quitter et ne pas rejoindre une partie en cours. Je pense pas que ça devra arriver mais bon. On va voir. Bon les gars, quatrième et dernière partie, je vais m'arrêter là. Là la partie est complète, c'est plutôt pas mal. On retombe donc sur la première map sur laquelle on était, donc l'exode bleu, pardon. Donc c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup cette map. On va voir ce qu'on peut faire. J'aime pas regarder s'il y avait une escouade. Non, il y a pas... Oh, on n'est pas très nombreux par contre, ça a du 4 contre 4 pour commencer. Voilà, 4 contre 4. Bon, on va voir ce que ça donne. Équipe Alpha. Let's go. Ok, Dieu. C'était un peu chaud ce frag là. Ok, on va reprendre C du coup, parce que là on est en train de perdre tous les points les mecs. Ok. Je pense plus tu joues avec cette arme mais... Après tu peux être vraiment bon avec cette arme, je pense que c'est vraiment une arme qui est agréable à jouer. Zone C, sécurisée. Zone B, sécurisée. Bravo. Vous contrôlez tout. Et ouais, on contrôle tout mon pote. Il me salue. Ah non mais t'es trop bon, change pas. On va chier aux pompes mon pote. T'es une machine. En même temps je dis ça mais je fais pareil d'habitude. Je fais pareil, c'est malheureux. C'est ça Destiny, c'est rush pompe de toute façon mon gars. Encore un arc à trio, il a écho ou pas? Ok. Je l'ai tué, je sais pas comment les mecs. Ouais, mais regarde le mec, il a tout le temps son pompe en main lui, c'est ouf quoi. Putain, c'est ce genre de joueur. Même moi, je vous jure les mecs, même moi quand j'ai le fusil à pompe, je rush pas comme ça avec le fusil à pompe en main. Je switch d'arme. Je trouve ça dégueulasse de jouer comme ça. Oh, il a foiré heureusement. Oh là 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 là. Oh les. Zone B. Oh là là. Quand il faut y aller. On est toujours là. Non, il est encore là-haut lui. Casse tes couilles. Oh là là, vas-y, ça. Il me saoule à rusher aux pompes. Sérieux les mecs, quoi. Changez un peu. Y a pas un seul sniper dans la map en fait à part moi là. Je sais pas si vous avez remarqué. Je crois qu'il y en a pas un autre. Dragon rusé, regardez ça le dragon rusé. Quel skill. Zombie.
Ah, la prochaine fois les mecs, la prochaine fois, c'est ce qu'on va faire. Je vous fais une vidéo dragon rusé fusil à pompe. Vous allez voir, moi aussi je sais faire ça. Moi aussi je sais faire des dragons rusés fusil à pompe. La prochaine fois je vous fais ça les gars. Hein? Lady qui me dit c'est ses armes préférées. Mais c'est les armes préférées de tout le monde, c'est ça le problème. Tiens, meurs un peu toi. Dragon rusé. Y'a que du dragon rusé, y'a que des pompes. Pompes de dragon rusé. Pompes de dragon rusé. Elle me fait défoncer les mecs. Autant tout à l'heure il y avait des petites parties agréables à jouer, mais là ça allait beaucoup moins d'un coup. En plus on perd, on gagnait. Oh là là, j'ai mis la balle de snipe. Ah non, lapin de jade. Y'a un lapin de jade, ça change un petit peu j'avoue. Par contre, ils s'enculent tout le temps dans un coin là. L'ennemi a capturé la zone C. Ils ont récupéré toutes les zones. Zone A neutralisée. Ouais, prends tes balles, meurs. C'est bien quand tu meurs. Oh là là, voilà le pire super. Ça aussi, il devrait le patcher, franchement. Je veux bien à un moment donné que t'arrives à. Ouais, le mec il vole, il électrocute tout mon pote. On dirait un technicien de EDF. On perd toutes les zones. Et on gagnait haut la main. Voilà. Et voilà. Vous avez capturé la zone C. Ah, il y a un sniper, j'avais pas vu, j'ai rien dit. Il y a un sniper. En fait, je réapparais, je meurs depuis tout à l'heure, ça va être agréable pour vous, regardez. Oh, mais toi, Vous avez vu que ce mec là, il a passé toute sa partie sur ce putain de tube, mon pote, avec son dragon rusé de noob là. C'est un truc de ouf quoi. Ah, lui c'est pareil, rien, il passe sa partie. Mais en plus, il me salue, c'est des mecs. Il faut que je vous raconte un truc, les mecs, faut que je vous le dise un truc. En fait, vous savez pas comment ça peut être relou les mecs qui vous reconnaissent parce qu'ils jouent leur putain de vie dans leur coin après toute la partie. Et je vous jure que c'est vrai, les mecs. Vous pouvez demander à chaque fois qu'on tombe contre des Français. Les mecs, ils jouent leur vie, mais c'est un truc de ouf. Alors que nous, on est tout pourri. Je vous le dis. On est nul à chier. Regarde. Lui, il scope depuis le fond de la map. C'est un truc. Ouais, j'arrête. J'arrête. C'est la fin de cette vidéo, les mecs. On va regarder un petit peu mon score. Enfin, c'est un truc de ouf. Ça fait partie du jeu aussi, mais je vous jure, les mecs, dès qu'on tombe contre des Français, ils jouent leur vie. Et ils jouent pas très bien. Enfin, ils jouent pas très bien. Ils jouent salement. Ça joue trop. Osiris, combien de fois j'ai vu des vidéos. Ouais, on a battu la ZF. J'ai vu une vidéo il y a pas longtemps. On a battu la ZF. Vous savez, la grande map là. Dans la neige, on a battu la ZF. Le mec il a mis une vidéo en ligne où ils sont tous les trois en train de scoper depuis leur spawn. Je sais pas, mais une vidéo au moins où tu bouges ton cul quoi. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo les gars. Donc c'était une petite vidéo brise là. Ça a fini, à la finale ça a plus fini en rage qu'autre chose. Mais bon, c'est le PVP de Destiny. Pour moi je le trouve dégueulasse aujourd'hui. Il est vraiment beaucoup moins sympa à jouer qu'auparavant. Et je pense qu'il mériterait une grosse mise à jour au niveau des armes, notamment avec le dragon rusé, on le voit trop, il y en a marre. Dragon rusé, lâchez-le les gars, lâchez cette putain d'arme. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça sera le retour du brise-glace. À la finale, vous voyez, prenez le brise-glace, vous ferez défoncer par des dragons rusés, des fusils à pompe, voilà, donc jouez au brise-glace les gars. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, les potes, prenez soin de vous. Tchuss!